Hello tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter deux petits livres. Donc le premier, c'est d'après les films Harry Potter, Les Secrets de Poudlard, Mon Livre Magique à Gratter, donc publié chez Éditions 404. Et le deuxième, c'est Créatures Secrètes. Donc je vous en ai déjà parlé dans le book haul. Donc tout d'abord, quand on arrive, on a une page glacée et une deuxième page aussi. On va vous expliquer en fait tout ce qui va vous attendre dans les pages. Donc j'ai commencé à en faire certains et c'est vraiment très pratique à faire. En fait c'est comme un kit, vous avez tout, vous avez le petit sorte de gratte-gratte en bois pour enlever la poudre noire. Et vous avez juste à vous installer sur une table avec un support pour pas que ça mette de la poudre noire partout. Et c'est parti pour gratter. Donc à la base c'est comme ceci. À la fin on a des feuilles et qui sont pas c'est des feuilles libres, vous pouvez écrire dessus. Et je trouve ça chouette parce que du coup c'est un peu comme un tout en un, parce que vous pouvez écrire, vous pouvez gratter, vous pouvez faire plein de choses. Et je trouve ça, et moi j'ai beaucoup aimé cette activité, donc c'est la même chose pour l'autre. J'ai surtout plus aimé celui-là des animaux fantastiques parce que j'aime beaucoup cet univers. Il y a plusieurs choses. Donc par exemple vous avez alors où il est, vous avez un serpent noir ou vous avez à colorier, à gratter par exemple si vous voulez juste le serpent. Moi je sais que par exemple là c'était juste une lune et moi j'ai gratté juste la lune et pas les autres parties parce que je trouve que c'est mieux. Donc voilà, on a différentes parties et je trouve ça bien parce qu'à chaque fois on a un petit texte explicatif sur l'image et que ça soit un peu en mode pop, je trouve ça vraiment chouette. Donc pareil, il y a le petit truc en bois. Les couvertures, elles sont vraiment très voyantes, très qui attirent l'œil. Elles sont dorées. Et cette technique d'avoir fait dans des cahiers à spirale, je trouve ça bien parce que du coup vous pouvez mettre comme ça, ça vous gêne pas pour vous appuyer. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. J'ai adoré réaliser ces créations. J'espère que vous aussi vous allez aimer en faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à mettre des pouces bleus, à partager. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.